있죠. President, please be seated. veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience est ouverte. As we scheduled in hearing the testimony of the DCCAM director, this morning, ce matin, the comme floor prévu, to be given to the l'interrogatoire three defense teams. Du directeur du centre documentation du Cambodge va se poursuivre et as c'est au tour de la défense. Stated, 2 days have been allotted to the three defense deux journées teams ont été allouées aux trois équipes de défense hand over to the Nunchia's defense avant teams, allowed d'entendre to inquire la défense with the three de Nunchia, defense teams, je voudrais savoir si les trois équipes de défense have you arranged amongst yourselves for the time se sont entendues the pour répartir entre elles the les team, deux journées qui leur ont été allouées. Je vais d'abord entendre la défense de Nunchia. La défense yes, de Nunchia. You. Merci. Yes, we have negotiated with the other nous teams. Avons discuté avec les autres we envisage équipes. That we will need one day nous pensons avoir for our, besoin cross-examination d'une journée pour notre propre contre-interrogatoire de ce témoin. As far as I understand, the other parties je crois have agreed comprendre to give us that day, que les autres they will divide the remaining nous ont time among themselves, donné cette I'm journée correct. Et vont if se répartir correct, le temps qui reste. Si je me feel trompe, free to contradict me. We were told by vous the international counsel Kyo Sampan, who will la not be here on Monday, de Kyo Sampan m'a that dit he would like to ask his questions today. Que l'avocat ne serait pas présent and, lundi et qu'il voudrait agrees, poser des questions aujourd'hui. We would, si la Chambre en est d'accord, je voudrais at least an le hour laisser of our time utiliser today, au moins une heure de notre temps de parole aujourd'hui. In return, we would be able to et use his time en échange, on Monday, nous pourrions okay. utiliser lundi so son temps de parole à lui. A bit of a relay. Ce serait when questioning this particular witness. So we will need one day, if the other donc, parties agree, nous avons besoin we would journée, like to give notre équipe part of our time l'accepte. Today to, une partie de notre temps d'aujourd'hui serait donnée à l'équipe de Kyo Sampan. Get or use his time on Monday. Et par contre, nous recevrions lundi une durée équivalente. J'espère avoir été clair. Kyo Sampan's defense, you can proceed. La parole est à la défense de Kyo Sampan. Thank you, Mr. President. La défense de Kyo Sampan. Let me merci, Monsieur le Président. Je voudrais apporter des précisions. In regards to the interpretation, in fact, my client, Mr. Kyo Sampan, will en réalité, be present on Monday, but it's my mon client Kyo Sampan sera will not présent be lundi. Available c'est mon on confrère Monday. International thank qui ne sera pas là lundi. Il semble qu'il y ait eu un problème d'interprétation. I'd like to inquire with the Yingsari's defense team, what is je your opinion on the comment and request made by Nunchia's defense? De l'équipe de Yingsari concernant good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. And good morning to everyone in around the courtroom. Bonjour, we would not les juges object les if Nunchia wishes to si la défense de Nunchia have the Kyo Sampan international lawyer take up an hour of their time today and then une heure de son temps aujourd'hui à la défense have an hour de Kyo Sampan on Monday. Pour récupérer as cette heure de notre partie lundi, nous n'avons pas d'objection. En ce qui nous concerne, I would say 1.5 to 2 hours. However, nous aurions besoin most likely d'une heure et demie à deux be heures. A lot less.
mais il est fort probable more in the range of 45 minutes que cela soit beaucoup hour, moins, plutôt entre 45 minutes et une heure en fonction des questions qui seront couvertes aujourd'hui. Difficile de prévoir combien de temps ça va prendre. J'ai l'intention d'être aussi efficace que possible, de ne pas couvrir d'autres questions et de ne pas prolonger la procédure indûment. Donc, 45 minutes, je l'espère, mais au maximum une heure et demie. Merci. Le président. Thank you, Defense Counsel. Merci, maître. What about Kyiv St. Pan's defense? Qu'en est-il de la défense de Kyiv St. Pan? La défense de Kyiv St. Pan. As my international counterpart would like mon to examine the witness for an hour this afternoon, le témoin then I'll use une heure the remaining time for my team on Monday. Quant à moi, mon équipe et moi utiliserons le temps qui reste lundi. Cela devrait prendre entre une et deux heures. Merci. Thank you, defense teams. We now hand over to Nuon Chi's defense. La parole est à présent à la défense de Nuon Chi'a. To cross-examine this witness. You may proceed. Qui a la possibilité de contre-interroger le témoin. Je vous en prie. President, le président. Due to the request by Kyiv St. Pan's defense, la défense de Kyiv St. Pan, that the International Defense Council will not be available on Monday. A indiqué que l'avocat international ne serait pas disponible lundi, le 6 février 2012. And that the time shall be used today instead. It is rather difficult il est demandé for the que la défense to decide. De Kyiv St. Pan puisse interroger reasons, le témoin aujourd'hui. Il est difficile to change the à la Chambre de se prononcer. Of examining this witness. We would like now for the Kyiv St. Pan's team to question il est donc décidé this witness first. De laisser à la défense de Kyiv St. Pan la possibilité d'interroger ce témoin en premier. Je vous en prie. So now,
Kyusampong's defense, la défense you de Kyusampong a à présent la parole. La Chambre a modifié le tour des différentes équipes de défense. Judge Lavergne, you may have the floor. Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Merci. La Chambre ayant été informée de l'indisponibilité d'un des conseils de M. Kyusampong la semaine prochaine, elle donne la possibilité au Conseil de la Défense de Kyusampong de commencer l'interrogatoire du témoin Liu Chang, sachant que ce que ne souhaite pas la Chambre, c'est de voir le rôle des interventions des différentes équipes de la Défense être interrompu puis repris. Donc si vous le souhaitez, la Chambre vous laisse la possibilité de commencer l'interrogatoire et ensuite nous reprendrons l'ordre initialement prévu. In the same order as previously planned. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much. Veuillez vous asseoir. Could you please pause? I noticed the Nun Chia's defense team is on his feet. La défense de Nun Chia s'est levée. Je lui donne la parole. La défense de Nun Chia. Good morning, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. I support the clarification by Judge Lavergne. Je remercie le juge Lavergne pour ses précisions. Il a indiqué que la défense de Kyusampong aurait d'abord la parole, après quoi ce sera à notre tour. President, le président, thank you for your comment merci, maître, pour ses indications relatives à la décision de la Chambre. Therefore, Kyusampong's defense, la défense de Kyusampong peut à présent poser ses questions. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. J'avais peut-être des documents à soumettre aux témoins, et c'est I la raison pour laquelle j'aurais éventuellement préféré passer en fin d'après-midi pour cet interrogatoire, mais je veux bien commencer maintenant, however, si c'est l'ordre que me donne la Chambre. Right, Monsieur le témoin, bonjour, je suis Arthur Verken, l'avocat international pour M. Kyusampong. Et les questions que je souhaite vous poser vont porter principalement sur les documents qui sont supposés dater de l'époque du Kampuchea démocratique. Donc parmi to the era of democratic la multitude des documents Kampuchea, qui sont collectés par votre organisme, les questions que je vais vous poser portent sur les documents qui sont supposés dater de l'époque du Kampuchea démocratique. La première question est la suivante. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus sûr pour mener une enquête, qu'elle soit judiciaire ou non, un original, un document qui date de l'époque, ou une copie? On an original, a copy, or a document that is dated from the era in question? Your Honours, we would object to this question. L'accusation, nous soulevons une objection clearly, contre it's not cette a question that's within the witness's expertise or cela ne relève pas des compétences du témoin, which he was called to testify, et cela ne relève pas de l'objectif de la comparution. Le point de savoir si une enquête doit se faire plutôt avec des originaux que des copies, c'est au juge d'en décider. Si je peux répondre, Monsieur le Président. If I may reply, Mr. President. Hier, lorsqu'il a été entendu
yesterday, par les parties civiles, when the witness was responding to questions put by the civil parties, qu'il considérait que the witness son organisme pouvait mener des enquêtes, même s'il ne s'agissait pas d'enquêtes judiciaires. Et de fait, nous savons que DC CAM, d'une certaine manière, mène des enquêtes. C'est la raison pour laquelle ma question précisait que je parlais d'enquêtes qu'elle soit judiciaire ou non, ouvrant ainsi le champ des possibles à l'action de DC CAM. Which speaks directly to the mission of DC CAM. President, the objection by the prosecution is sustained. L'objection de l'accusation est retenue. You are instructed not to respond to the question. Le témoin n'a pas à répondre à la question posée par la défense. The defense now can proceed with à présent, la défense peut passer à la question suivante. Et votre tribunal peut-il expliquer pourquoi il rejette cette question qui me paraît parfaitement justifiée ? Monsieur, le témoin représente un organisme qui collecte des documents dans le monde entier. Il me semble quand même normal de pouvoir demander à son directeur s'il estime que des copies sont plus probantes ou moins probantes que des originaux. Si je ne peux pas poser ce genre de questions aux témoins, j'arrête de poser des questions tout de suite. Questions to the witness, I will stop my line of questioning immediately. Le président, juge Lavergne, je vous en prie. In order to respond to this defense, je vous prie de répondre à la défense. Voilà, je vais essayer d'apporter des clarifications sous le contrôle de mes collègues, parce que j'espère ne pas trahir la pensée de la Chambre. Make some clarifications. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est un débat judiciaire, et ce qui m'intéresse, c'est la valeur des documents fournis par DC CAM dans le cadre du dossier judiciaire. Donc, les recherches que DC CAM peut effectuer sont intéressantes dans le cadre des activités de recherche de DC CAM, recherche historique, académique, mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est la valeur des documents dans le cadre du débat judiciaire. Donc, nous ne pensons pas que cela ait forcément un intérêt. La question posée est véritablement un intérêt pour faire avancer le processus judiciaire. Oui, j'entends bien, monsieur le juge. La difficulté, c'est que un très gros pourcentage du dossier judiciaire est constitué de documents qui sont directement apportés à la justice par DC CAM. Et donc, que les deux sont forcément tout de même un peu liés. Et que c'est justement la difficulté, ou en tout cas une des difficultés de ce procès. C'est que nous avons une organisation contre laquelle je n'ai strictement rien,
qui mène des activités qui sont les siennes, mais que, il semblerait, en tout cas c'est la position de la défense, que l'accusation est tenue pour acquis et intégrée ou fait intégrer directement dans le dossier judiciaire les documents qui ont été collectés par DCCAM sans plus de vérification. C'est donc la raison pour laquelle les deux questions que vous venez d'évoquer sont liées. Ceci étant précisé, je vais poursuivre. Monsieur le témoin, où sont les originaux d'époque dont dispose DCCAM? Où se trouvent-ils aujourd'hui? That DCCAM has availed itself of. Where are they today? Long BTV, but I can say it means Pram Prophet, but since you look at the five types of documents, if you can recall from the testimony last week. Souvenez-vous de la déposition de la semaine dernière. Le premier type de document. Je vous interromps pour interrompre, et je vous demande de ne pas revenir sur les définitions des documents. J'ai entamé mon propos en vous précisant que j'allais parler des documents qui sont supposés dater de l'époque du Kampuchea. Donc ne me parlez pas de la typologie des documents qui sont détenus par DCCAM, ça n'est pas l'objet de ma question. Où se trouvent aujourd'hui les documents dont vous pensez qu'ils datent de l'époque du Kampuchea démocratique et que détient votre organisme? Où sont-ils? Le Kampuchea. Au Cambodge. Où? Where are they? Le Kampuchea. Au Cambodge. They are in Cambodia. À quel endroit du Cambodge? Where are they in Cambodia? Lok Chai Krom, tae khom ai prab ti tang chak srai ban nei aksa dam ban nei te rosa tha panha sansok. Monsieur le juge, due to the security reasons, it is pour des raisons de sécurité, il est difficile de donner des informations relatives à l'endroit où se trouvent les originaux. Mais si vous m'y autorisez, je pourrais apporter un complément d'explication. President, the prosecution, you may proceed. La parole est à l'accusation. Thank you, Mr. President. We'll be very brief. I think the question is too broad to begin with. Where are the originals? La question de savoir où sont les originaux. Cheng testified yesterday there's about 1 million. A dit hier qu'il y avait pages. Environ the question should be more specific. La question doit être plus précise. Which types? And I think that's what the witness was trying to do. De quel type de document s'agit-il? C'est justement ce qu'essayait d'expliquer le témoin, pour être plus précis. Also, there was testimony yesterday about a number of categories. Il a été question de plusieurs catégories pour lesquelles les originaux sont conservés par les archives nationales. Nous avons donc reçu déjà une partie de la réponse. Si le témoin se voit demander de donner une liste complète de tous les documents en possession du DCCAM, et si c'est une question sensible, cela pourrait se faire à huis clos. Le président, je constate que l'avocat international de Nunchia s'est levé. Vous avez la parole. La défense de Nunchia. Oui, pleinement cette suggestion. C'est une excellente idée de passer au format huis clos si c'est la condition à remplir pour que le témoin révèle cette liste de documents. Je suis très curieux de savoir où sont ces documents. Il est important de le savoir. Il se peut que nous demandions que les originaux soient produits.
documents will be discussed in court. So it's ces documents seront donc examinés. Nous devons donc absolument savoir où sont ces documents pour savoir s'il est possible de produire ces originaux et combien de temps ça prendrait. J'appuie la suggestion faite par l'accusation tendant à passer au huis clos. Le Président, je vous remercie. Yang macam tu, sabinya pilih dal kira-kira prosecutor, le président. Why did you pourquoi stand on le co-procureur cambodgien s'est-il levé? Do you have any other issues besides the issues voulez-vous that soulever already deliberated? Une autre question que celle dont la chambre a délibéré? Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à la question posée par la défense. As a principle of safety and security of those documents, that is in regards to the original documents and the photocopied documents used in this courtroom. Is the core of the debate. It is not necessary to reveal the location of il those original documents. De où se trouvent ces documents originaux. And the issues raised by parties for a closed door session. Des parties ont proposé de tenir une audience à huis clos, et cela semble inutile à la chambre. The President, you may proceed, but please vous pouvez prendre la parole. Make sure that it is not necessary to specify the comme je l'ai indiqué, provenance, a secret provenance of the il ne convient pas of the documents, but the most important thing is the copies of the documents which have been copied from the original. So we would like to hear from the DC camp whether or not the copy documents are authentic and it can be verified or not. So it means that the original documents are there for verification, but the
Autrement dit, les documents originaux existent pour vérification, mais le caractère secret de l'emplacement de ces originaux est lié à des considérations de sécurité. Witness. Le témoin. Well, if any parties would like si to verify the copy documents with the original ones, the DCCAM is readily available to assist them to do so. Le DCCAM peut apporter son assistance. Justement, monsieur le témoin, à ce jour, est-ce que l'une des parties du tribunal, que ce soit les coprocureurs, que ce soit les co-juges d'instruction, vous ont demandé d'aller rechercher les documents originaux d'époque du Kampuchea démocratique, peu importe l'endroit où vous les avez entreposés au Cambodge, pour les leur présenter. Est-ce que cette opération a été réalisé? Est-ce que DCCAM s'est vu demander par les coprocureurs ou les co-juges d'instruction de se voir, de présenter les originaux dont vous pensez, vous, qu'ils datent de l'époque, puisque vous nous avez indiqué que vous n'en aviez finalement trouvé qu'un seul sur des centaines de milliers qui vous semblaient faux? Cette opération-là a-t-elle été effectuée? I'm sorry, Your Honor, I do not understand the question clearly, but I assume that the question was that if parties would like to verify documents, the copy ones, with the original documents, of course, at DCCAM, we will be able to do that upon request. But if Your Honor is of the opinion that the question is different from this, then please advise me. So, the President, please, counsel, be advised that you should maintain your proper question and make sure that you pause in between questions and answers so that the translation can get through. So pause a bit before you pose the next question. Gardez cela à l'esprit pour vos prochaines questions. You may proceed. Ma question est de savoir, my question is, si au jour d'aujourd'hui, les coprocureurs et les co-juges d'instruction vous ont déjà demandé de voir les originaux dont vous pensez qu'ils datent de l'époque du Kampuchea démocratique. To date, both the co-prosecutors and the co-investigating judges have never requested a verification with the original documents, but they have so far scanned those documents from the original document, like Mr. Heder from OCIJ has done that so far. For example, Mr. Heder des co-juges d'instruction l'a fait. Avez-vous reçu un mandat officiel de ce tribunal pour en conserver les scellés judiciaires? Under judicial seal. Pateba. No, they are not. Réponse non. Hier, vous avez expliqué un épisode concernant un projet d'accord avec le tribunal. Vous avez précisé que cet accord n'avait pas été signé. S'agissait-il de cela? Monsieur
The parties can request documents from the DCCAM anytime they like. I have met with Michel Lee and Sien Wissert to draft a mutual agreement or mutual understanding with the DCCAMs as to how the document may be used by the court. So we have drafted this mutual understanding agreement for several years, but upon the resignation of Sien Wissert and Michel Lee, then we also sent those draft mutual understanding agreement to Knut and others, but there have not been a response from the court. So from 2006 to 2009, parties have requested documents from the DCCAM, and we have been happy to provide them support. So far, we have provided documents to the OCP, to civil parties and other parties as well. So we consider our place as an archive where documents are kept. So we are not hesitant to provide any document to parties upon request. Mais pour l'instant, puisque vous avez indiqué qu'aucune partie n'avait souhaité avoir en main les documents originaux dont vous pensez qu'ils datent de l'époque du Kampuchea démocratique, les documents que vous avez adressés aux partis qui vous l'ont demandé, parmi lesquels les co-juges d'instruction et les procureurs, sont des scans ou des copies. C'est exact? Réponse. When sending documents to parties at the tribunal, we establish a register list in order to indicate whether or not the documents were copied or scanned from the original documents. Ou des scanographies des originaux. The OCIJ have so far requested that the scanning was be made from the original documents. Que nous leur fournisse des scans faits à partir des originaux. Alors justement, à ce propos, hier, répondant aux questions de l'accusation, vous avez indiqué que, dans le but de ne pas endommager les documents dont vous pensez qu'ils sont des documents d'époque, vous n'écriviez pas directement sur ces documents de référence DCCAM. C'est exact? Is that correct? D'accord. Cela étant précisé, vous avez ensuite indiqué que les cotes DCCAM n'étaient portées que sur des copies de ce que vous considérez comme des documents d'époque. C'est bien cela? Am I correct? All documents we copy from the original documents, we index them with serial number preceding by D, letter D, and we have a small bracket which indicates the source of the document. As I indicated to the prosecutor yesterday, if you want to verify which the original document, then you can look at the serial number given below the document number. That will make it easy to track the source of the document. Et donc, cela signifie, monsieur le témoin, que lorsque, dans le dossier de ce tribunal, l'on me présente un document supposément de l'époque du Kampuchea démocratique qui supporte
une cote d'ICICAM, cela signifie que ce document est une copie, forcément, puisqu'il porte une cote d'ICICAM. C'est exact. If you refer to the copied document sent to the court, of course there are serial numbers indexed by the DCCAM, which certify that those documents were copied from the original. However, at the Office of Co-Investigating Judges, they look at the numbers in the bracket below the document number, and then they go to those original documents, and they request that those documents be scanned from the originals. Once again, if you want to make any verification, it was not difficult because we have the number over there, and then we can verify it anytime. Nous avons au dossier un certain nombre de mails qui émanent de l'accusation avec lesquels le procureur vous demande de lui communiquer des documents que vous détenez. Je peux donner un exemple d'un de ces mails. Nous en trouvons, mais je ne pense pas qu'ils aient fait l'objet d'une traduction, donc il n'y a qu'une seule cote ERN en cote 00141959. Et toutes les cotes suivantes, d'ailleurs, sont des mails du même type. Je pense que l'on peut afficher sur les écrans un de ces mails. Et nous voyons que dans cette correspondance, le procureur vous demande des pièces et vous demande un certificat d'authentification. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit? C'est quoi ce certificat? This is a request form from the Office of Co-Prosecutor, and this is only one of them. There are actually a number of other similar requests. So I have an initial on this request, and it indicates that I have actually provided the document upon this request. Que dit le certificat d'authentification que vous demande le procureur et que, je vous pose la question, vous avez peut-être délivré? Wrote it to Mr. Robert Petit. It consists of 6-7 pages outlining the process of research and documentation as well as the authenticity of the document. I sent to the both prosecutors sometime in 2006 or 2007, but of course there was a written form of authenticity. A certificate of authenticity. Un certificat d'authentification écrit. Est-ce que votre réponse, monsieur le témoin, consiste à dire que dès 2007, vous avez fourni un unique certificat d'authentification pour tous les documents
que vous aviez déjà fournis, mais également pour ceux que vous alliez fournir dans le futur? Ou est-ce qu'il y a eu des certificats d'authentification à chaque demande du procureur et à chaque envoi de documents par DICICAM? នៅក្នុងរាល់សំណើចេញពីការិយាល័យសហប្រិយអញ្ញាគឺយើងបានមានបញ្ជាក់ request from the office of co-prosecutors we issue a certificate certifying whether or not they were the original documents or copy documents and the recorded in the list so there is a column or a field which we indicate to the request that whether or not the documents were the copies of the copies or the copy from the original and we also indicate whether or not those documents is in the category of KL or I document so we follow the procedures ofdocument custody so that we can authenticate the document. De conservation de sorte à pouvoir l'authentifier. À l'audience d'hier, vous nous avez décrit les méthodes de vérification d'authenticité d'un document que vous utilisez et vous avez d'abord parlé de l'importance de la couleur ou de l'aspect d'un document. Convenez-vous que ce travail est impossible à effectuer à partir d'une copie ou d'une copie de copie? That's correct. It's not possible to verify it with the copy of the copy document. But we can only certify that the copy of the document, the copy of the copy is the copy of the document. So it means that if there is another document that is in visual colors, for example, we can tell whether or not the document is original or copy document. Nous avons un document en couleur, l'on peut dire s'il est un original ou une copie. Vous avez également indiqué parmi les indices qui retenaient votre attention dans l'examen des documents la question de la date que supportait le document. Convenez-vous qu'une personne mal intentionnée qui fabriquerait un document n'y porterait probablement pas la date de 2012, mais choisirait d'y porter la date qui lui importe, à savoir en l'occurrence entre 1975 et 1979. Answer. Well, I think if any one person can produce or fabricated 1 million documents, and that one particular person know many people involved in this document, I think it is virtually impossible. In this context. And in other words, we also look at the visual presentation of the document. We do not only consider only one factor or variables. We consider a number of factors in order to certify that this document belongs to the Democratic Cambodia. Remonte à l'époque du Cambodia démocratique. Vous avez également indiqué hier, répondant aux questions des coprocureurs et des parties civiles, que vous vous attachiez à examiner le type de vocabulaire utilisé dans les documents qui vous étaient apportés ou que vous récoltiez. Convenez-vous que si une personne mal intentionnée cherchait à fabriquer un faux document d'époque, elle ne se risquerait probablement pas à y parler de l'Internet ou des téléphones portables qui n'existaient pas entre 1975 et 1979.
Answer. I would like to bring up an example. Laissez-moi vous donner un exemple. A confession of a former prisoner Bopana, which comprised of 200 page confession. And if you want to fabricate this document, si for example, by changing the terminology used, it's a bit difficult with the confession of this thick. And it can easily be tracked as well if only a few pages were modified. Si and in addition to that, we do not verify or and come to conclusion with a document by mere looking at this particular document. We actually read it in conjunction with others, and other people also comment on this document. And as I mentioned earlier, if any one person can make up 1 million documents, it would be amazing if it was not virtually impossible at all. And if, even if they could make it, it would have taken them years to do it. Fait, cela leur aurait pris beaucoup d'années. Personne n'a parlé d'un seul individu fabriquant un million de faux documents, mais vous-même, vous avez reconnu qu'à au moins une reprise sur un million, vous aviez repérer un faux parmi les documents qui vous étaient envoyés, c'est exact. Yes, that is true. Oui, c'est vrai. And the factor that I actually could see that document was not from the contemporaneous document, was the date, because by looking at the date, it was clearly that it was not within the democratic Cambodia period. And in addition to that, to the date, we also look at the content of the document as well. So by looking at combined factors, then we can come to a conclusion that this document was not the contemporaneous ones. Ne remontait pas à l'époque du Cambodia démocratique. Pouvez-vous indiquer au tribunal quelle date supportait le document dont vous parlez? Can you tell the court what date was written on the document that you have just referred to? Tam le khom cham, perhaps to the best of my recollection, it was actually back to 1998 or 1999 when there was arrest warrant of the kidnappers somewhere in Kampot province. Des personnes, des kidnappeurs dans la province de Kampot. Vous en avez donc conclu que c'était un faussaire de peu de talent, j'imagine. Khiom mon ban ket tha ek san ni chi ek sa khlai khlai te. Khiom ket tha ek san ni men men chi ek sa chai mok pi robob Kampuchea Prachea Thapai. I saw that that document was indeed fabricated. It was not actually from the democratic Kampuchea period. Ne remontait pas à l'époque du Kampuchea démocratique. Hier, vous avez à plusieurs reprises expliquant several times yesterday, les sources des diverses collections détenues par le DICICAM, parler d'experts vietnamiens. Pouvez-vous nous dire qui étaient ces experts vietnamiens? Que recouvre cette appellation expert vietnamien? Your honors. Réponse. Yesterday, he mentioned that I used the word Vietnamese expert, but unfortunately, I did not use Vietnamese expert. But I do not hesitate to answer this question. But once again, I would not want it to be on record what I did not say. And with your honors' permission, I would respond to this question. President, counsel, can you indicate the
point in the transcript which you pointed out to the testimony of this witness concerning the Vietnamese expert, so that the witness has the basis to respond to your question. And in addition, the chamber would, based on that particular transcription, in order to decide whether or not to let the witness respond to this question. Si le témoin répond à la question. Je vais faire différemment, Monsieur le Président, si vous le permettez. Je vais demander au témoin s'il se souvient avoir répondu aux questions des co-juges d'instruction et s'il se souvient leur avoir parlé de documents récoltés par des experts vietnamiens. I would like to hear the answer from him, whether or not I did say that the Vietnamese expert, the president. Well, the council has already changed his line of questioning, so there might be a confusion in terms of the document used. He used when he took it from the statement taken by the Office of Co-Investigating Judge, which may have involved the testimony of Vietnamese expert or so. So he decided to change his line of questioning. So the chamber may allow this question, but the prosecutor is now on his feet, so he may proceed. Your Honour, just a point of order. I think it would be more appropriate if counsel could refer the witness to the specific statements. There are six statements, and some of them are quite long, and they discuss numerous matters. So I think it would be fairer to the witness and more conducive to ascertain the truth if the witness could be shown the specific passage or statement. The President, thank you. So, once again, the Chamber directs the Council to indicate specifically the statement you refer to. If you base your questioning on the statement taken by the Office of Co-Investigating Judge, then you have to indicate so. À la chambre les cotes. Oui, je suis d'accord, Monsieur le Président, j'allais le faire, mais pour l'instant, je demandais juste au témoin s'il se souvenait d'avoir parlé d'experts vietnamiens au co-juge d'instruction. Donc, si vous voulez, ma question, elle était très ciblée, consistait juste à demander au témoin s'il se souvenait. Donc c'est pour la raison pour laquelle je n'ai pas encore cité de document. Si le témoin me répond qu'il ne se souvient pas, à ce moment-là, je lui citerai les extraits de sa déposition. J'ai procédé ainsi afin de ne pas perdre de temps puisque l'heure avance et je ne voudrais pas empiéter de manière trop importante sur le travail de mes confrères. C'est la raison pour laquelle j'ai procédé ainsi. President, witness is directed to answer the question. Witness, well, Your Honour, I am very happy to ask to answer this question, but the counsel failed to answer my question concerning the truthfulness of what I said yesterday. À ma question, quant à ce que j'ai dit hier, au propos qu'il a évoqué. Custodian of the documents in Ministry of Interior, there was one expert working with this Cambodian team, and I tried to look for him, but unfortunately he has already passed away. And I actually got this document and information from the personnel working in the Ministry of Interior. Le document du personnel du ministère de l'Intérieur.
Donc, quand vous... Vous non plus, vous ne répondez pas à mes questions, monsieur. Donc, c'est un peu difficile comme dialogue. Oui, non, mais monsieur, moi, je n'ai pas à répondre à vos questions. Le tribunal vous a demandé de répondre à ma question. C'est moi qui pose les questions. C'est comme ça. Donc, nous ne sommes pas... Le président. You are mistaken. Maître, the witness clearly responded vous vous trompez. Already. Le témoin a déjà répondu clairement. Alors peut-être que vous qui entendez directement le cambodgien, le Khmer, pardon, trouvez que sa réponse est claire. Moi, en français, elle l'était un petit peu moins. Donc, pouvez-vous, monsieur, nous préciser quel était le nom de l'expert vietnamien dont vous nous parlez, quelles étaient ses fonctions et quelles étaient les années pendant lesquelles il les a exercées. Je ne me souviens pas de son nom, mais vous pouvez vous reporter à la déposition devant les juges d'instruction. Et là, vous y trouverez le nom. Cette personne était un expert qui travaillait au ministère de l'Intérieur. Je ne me souviens pas exactement de son nom, mais ce nom apparaît dans le document que j'ai mentionné. J'ai présenté aux juges d'instruction une série complète de documents. Et vous dites, monsieur, aujourd'hui, que vous avez communiqué au juge d'instruction le nom de cette personne, c'est bien cela ? Allez. Pat Ben. Answer, yes, that is correct. Effectivement. Et... Pouvez-vous nous dire quel est le nombre de documents que vous avez récupérés par cette personne? Pourriez-vous répéter la question? Quel est le nombre de documents dont cette personne a été la source? Directly from this source, from that person. I never received a document from that expert at the Ministry of Interior. I actually received documents from the Ministry of Interior from a working group on the documentation at that ministry. S'occuper de documentation au sein du ministère. Je n'ai pas reçu directement les documents de la part de cet expert. Que les choses soient claires. Et je crois que c'est clair dans l'interprétation française que vous entendez actuellement. Quelle est la référence de DICICAM pour les documents qui ont été donnés à votre organisation par M. Hun Sen? Put on documents that you received from Mr. Hun Sen. In the document, we use the word HS. Dans le document, nous employons la mention HS pour indiquer qu'un document vient de cette personne. Nous avons trouvé des documents par le biais de l'ouvrage qu'il a rédigé. Ensuite, j'ai contacté son bureau pour lire ces documents. Si vous vous reportez aux documents qui ont la mention HS, cela veut dire que ces documents viennent de lui. Toute partie peut faire une demande de document au DCCAM. Nous n'avons aucun document à cacher. Même les partis d'opposition peuvent obtenir des documents, tout comme le gouvernement. Savez-vous en quelle année M. Hun Sen avait découvert ces documents? Of the year during which Mr. Hun Sen discovered those documents. Khmer Dang Tha Lok Somdai Dejo Rok Khoei Aksan. I do not know
Je ne sais pas en quelle année il a obtenu ces documents, mais moi, je les ai reçus de sa part vers 1995-96, lorsque j'ai commencé mes recherches sur son livre aux Archives nationales. Et dans son livre, il a mentionné ces documents. C'est alors que je lui ai demandé à obtenir ces documents et à les conserver au DCCAM. Il s'agissait de documents ayant trait au Cambodge démocratique et son bureau nous a remis ces documents. Combien de temps faudrait-il à DCCAM pour rassembler tous les documents originaux dont vous pensez qui datent de l'époque du Kampuchea démocratique et pour les apporter ici dans cette salle d'audience devant ce tribunal? សូមជម្រាបថាការប្រមូលឯកសារនៅតែបន្តនិងបន្តទៅទៀតពីព្រោះពេលដែលយើងនិយាយLa collecte des documents se poursuit constamment. Il y a des documents qui nous sont remis sous format papier ou encore des photographies ou des films. Mais en plus, les êtres humains sont aussi considérés comme des documents en quelque sorte. Il y a des survivants nombreux que nous continuons d'interroger. Nous recueillons ces informations à l'attention des jeunes générations. Si vous me demandez combien de temps cela prendrait, eh bien je vous répondrai que c'est une activité constante et continue. Il s'agit d'une activité de recherche historique. Il y a aussi des documents vivants. Cette activité est donc en cours. Au Cambodge, 65% de la population est composée de jeunes. And it is important that we record their experiences throughout faire connaître the regime. L'histoire de ceux qui ont connu le régime. C'est très bien, monsieur, et c'est d'ailleurs la noble activité à laquelle se livre votre association. Mais nous sommes dans une enceinte judiciaire et les règles sont parfois un peu différentes. Donc, pouvez-vous répondre à ma question que je vais répéter? Combien de temps vous faudrait-il pour aller chercher tous les documents en original dont vous pensez qu'ils datent de l'époque du Kampuchea démocratique, dont vous nous dites qu'ils sont entreposés dans des lieux secrets au Cambodge, pour aller chercher ces documents et pour les apporter ici, devant ce tribunal? Je parle de documents, je ne parle pas de personnes, que les choses soient bien claires, et je parle de documents dont vous dites et pensez qu'ils datent de l'époque du Kampuchea démocratique. ចំពោះឯកសារកណ្ដាស់នេះយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងស្កលវិទ្យាល័យ concernant les documents papier Michigan University. Nous travaillons avec l'Université du Michigan. We are in the process of digitizing nous sommes en train de numériser so that they tous can be les documents on the internet pour qu'ils puissent être mis en ligne et que chacun puisse les consulter sur l'Internet. Il s'agit de documents d'époque du Kampuchea démocratique. Nous ne voulons pas que les originaux quittent le Cambodge parce qu'ils appartiennent aux Cambodgiens. Si vous êtes prêt à attendre, attendez que ces documents aient été numérisés et mis en ligne. À ce moment-là, vous pourrez les consulter. Il s'agit d'une activité en cours. La numérisation de ces documents est en cours en vue de mettre en ligne la collection entière de nos documents. Chacun pourra les consulter, chacun pourra se faire un avis là-dessus et chacun pourra comprendre pourquoi des gens sont morts à l'époque du Kampuchea démocratique. Le président. Mr. Witness, please compose Monsieur yourself le témoin, and listen carefully to the question séance, and respond it accordingly. If you do not understand the question, les questions et répondez-y. Si vous ne comprenez pas une question, vous pouvez demander à l'avocat de reformuler sa question. Vous pouvez aussi demander à la Chambre d'apporter des précisions.
And once you understand the meaning of the question, une fois que vous avez bien compris la question, vous êtes prié de répondre précisément à ce qui vous est demandé, sans vous lancer dans des digressions. If I am not mistaken, your response is not a direct response to the question asked by the counsel. Répondu à la question qui vous était posée par la défense. Defense counsel, you may repeat la your question again. Est invité à répéter sa question. There could be a misunderstanding Il se peut of qu'il your y ait question. Eu un malentendu. Ce matin, this morning, vous m'avez indiqué et vous avez indiqué au tribunal que les documents originaux datant de l'époque du Kampuchea démocratique qui sont détenus par DCCAM sont répartis, entreposés dans des lieux secrets au Cambodge. Ma question est la suivante. Pouvez-vous les apporter ici et combien de temps cela nécessitera-t-il? Mr. President, Monsieur le is my understanding correct that he wants me to bring the original to the court? Veut que je vienne apporter les originaux devant le tribunal? Ai-je bien compris? Le président, je vois que la avocate principale s'est levée. Je vous en prie, madame. Oui, merci, Monsieur le Président, et bonjour à vous et bonjour à Thank tous. You, Mr. President. Good morning Il me semble to que la everyone. Question de mon confrère n'est pas pertinente. I believe that je crois que la question est une question technique. Et que cette question sera posée par la Chambre le moment venu, si la Chambre estime qu'il faut que DCCAM apporte ici un ou 10 ou 1 million de documents originaux. Mais cette question est technique et c'est la Chambre qui devra la poser le moment venu. C'est ma position en tout cas. Mais je pense que ces questions devraient être posées à l'heure appropriée et pas maintenant. President Nunchia's defense, you may proceed. Le président, la parole est à la défense de Nunchia. Sonarun. Maître Sonarun. Mr. President, I'd like to respond to Monsieur the comment made by the lead co-lawyer. Aux observations de la co-avocate principale. La défense de Kyu Sampan a fait une demande qui est semblable à celle que j'avais moi-même initialement adressée à l'accusation. En ce qui concerne en particulier la revue Étendard révolutionnaire, dans le box, mon client Nunchia a demandé qu'on lui présente les originaux. Il l'a fait à plusieurs reprises. Une fois qu'on lui a présenté des documents, il les a rejetés car ce n'était pas des originaux. Il a demandé les originaux aux fins de vérification. Bien sûr, je sais que je n'ai pas la parole, mais je pense que les originaux sont importants. President, what is on your mind, Mr. Co-prosecutor? Do you have anything else to add? L'accusation a-t-elle quelque chose à ajouter? Can you organize yourself, I mean the parties, to express your objections or comments in order? Peuvent faire valoir leurs objections and, as you et leurs know, commentaires the lead co-lawyer is on the support side of the prosecution. Comme on le sait, les co-avocats principaux sont du même côté que l'accusation et la partie adverse, c'est la défense. This morning session would not be si efficient. Si l'on continue de procéder de la sorte, cela portera atteinte à l'efficacité de la procédure.
I believe you need to organize yourself. Je pense que vous devez vous organiser entre vous. So be done once and together. Il vous incombe to make it more efficient. De présenter une objection une seule fois et de façon concertée. As we saw par souci d'efficacité. To the principle of proceedings, of fair trial proceeding. Ceci s'inscrit dans le cadre des règles you visant à assurer un procès équitable. Je vous en prie. The prosecution, I mean. L'accusation a la parole. Thank you, Mr. President. L'accusation. Reluctant always to intervene, I was compelled to do so simply because I think my friend was referring to a matter on which your honours have ruled that I believe during Norwich's giving evidence you indicated that originals were not required. And I just simply wanted to remind my learned friend and also for the record that this matter has been dealt with. À mon estimé confrère et aussi au fin de la transcription, cette question a été tranchée. President, I have the decision in my hand. So I advise all the parties to read the verbal instructions that we announced je vous invite earlier, à vous référer that is, aux instructions on que nous avons données le 26 janvier 2012. Regarding this very subject matter. Ces instructions portaient sur la question à l'examen. And you are not allowed to raise the same vous n'êtes issue pas autorisé again and again. À soulever it has been sans cesse ruled already la même question by the chamber. Qui a déjà été tranchée par la chambre. You may now proceed. Vous avez à présent la parole. Monsieur le Président, j'ai demandé aux témoins si techniquement il était compliqué pour DC CAM et quel serait le temps nécessaire pour que celui-ci apporte devant votre tribunal tous les documents qu'il considère comme datant de l'époque des faits. Je ne crois pas avoir contrevenu avec cette question le moins du monde à une décision que votre chambre aurait rendue. I was in breach of any decision that has been previously handed down by your honours. Son groupe Luc Chakram, réponse. Regarding the technical aspect for concernant transportation l'aspect of those technique documents, du transport de ces documents, upon the request by the court, it may sur take demande a month. Du tribunal, cela pourrait prendre this is just un mois. A rough il s'agit estimation. D'une estimation. Because we have never transported nous any n'avons original jamais document transporté outside de documents originaux à l'extérieur du centre. Regardless, if we assist by your quoi qu'il request, en soit, si la Chambre have a discussion with the court, en fait la demande, nous pourrons consulter notre personnel technique pour voir de quelle façon on pourra assurer le transport like des documents vers le tribunal en toute sécurité. Want the original revolutionary flag or the original document, s'agit-il, I can personally s'il s'agit deliver those documents des originaux to him. We do have those original documents. Des étendards révolutionnaires, je peux personnellement me charger de les remettre. Ah, nous avons ces documents originaux. Ça, ça y est. Thank you, Mr. Witness. Le président. Merci, Monsieur le témoin. La défense peut poser la question suivante. Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le Président. I have no further questions, Mr. President. Look, may we President, National Defense Council for Kim Sampon, how much time do you anticipate for your turn? Temps, l'avocat cambodgien de Kim Sampon aurait-il besoin? Mr. President, but la I believe défense. Now it's time for a break. J'ai des questions à poser, mais je pense que le moment est venu de suspendre l'audience. President, of course, le président, you are right, because effectivement, we want to know how much time you need. If you need much time, then si vous avez besoin de we beaucoup de can temps, have a break. Nous pouvons tout d'abord and since your faire une pause. Answer is not that clear, votre and since réponse the time is n'a pas été très claire. Break, quoi qu'il en soit, nous allons break now, interrompre l'audience. And we shall resume les travaux at 20 to 11. Reprendront à
10h40. Court officer, please assist the witness during huissier d'audience, veuillez prêter assistance au témoin durant la pause en lui offrant des rafraîchissements. Je vous prie de le ramener dans le prétoire before the court avant la reprise de l'audience. Defense counsel for Yang Sari, you may proceed. La défense de Yang Sari a la parole. Thank you, Mr. President, journalists. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Due to the health issue and back pain of my mon client, client, Mr. Yang Sari, a mal au dos, he can no longer vu son état de santé, il ne peut pas rester assis plus longtemps. Il renonce à son droit de participer à l'audience dans le prétoire. Following it in the holding cell il demande downstairs. À pouvoir suivre l'audience depuis la cellule provisoire. President, after le président, heard the request la chambre est saisie d'une requête Yang-Sari présentée par l'accusé Yang Sari par le biais de son avocat. Right l'accusé renonce à son droit de suivre directement l'audience dans le prétoire. Il demande à suivre l'audience downstairs. Depuis la cellule provisoire du sous-sol. The Chamber grants la Chambre the permission accède à cette requête. And the defense team needs to deliver la défense to the chamber de l'accusé devra remettre à la Chambre waiving letter le document de renonciation portant la signature ou l'empreinte digitale de l'accusé. For the AV unit, you instructed le personnel to connect audiovisuel the a instruction de brancher le matériel audiovisuel dans la cellule provisoire, de façon à ce que l'accusé puisse suivre l'audience depuis cet and endroit. For today's proceeding and security guards are instructed to je demande bring him à la sécurité de conduire l'accusé dans la cellule provisoire. À présent, l'audience est suspendue.